95, 97, 98, 99 et 2000 à Wimbledon. En 90, 93, 95 et 96 à l'US Open. Déjà 5 ans que Tsampras n'a pas gagné ici. Il était finaliste l'année dernière, battu, étrié même par un Marat Safin éblouissant. Un Safin qui n'a jamais retrouvé ce niveau de jeu-là et qu'il dit il faut oublier. Ce jour-là, c'était tellement exceptionnel que j'espère bien sûr pouvoir retrouver ce niveau-là un jour. Mais depuis cette finale disputée, alors que c'était sa première finale du Grand Chelem, eh bien, il n'a pas retrouvé ses sensations. Pour Tsampras, 63 victoires à l'US Open, 8 défaites simplement. C'est vraiment une carrière exceptionnelle pour ce joueur qui a été par ailleurs 6 fois numéro 1 mondial, ce qui est un record dans toute l'histoire du tennis. Oui, tout à fait. Un Pete Tsampras qui joue remarquablement bien ici. Il a fait un match d'anthologie contre André Agassi, on l'a dit. Il a battu Pat Rafter en 4 manches. Il a très bien travaillé avant l'US Open. Lui aussi a eu une année assez difficile, même 15 mois sans réelle victoire. Pete Tsampras. Il arrive dans son pays sur cet énorme tournoi pour lui, au mieux de sa forme. Et c'est vrai qu'il sera un énorme danger pour Marat Safin, qui lui aussi arrive dans ce tournoi à l'US Open beaucoup mieux. Il a modifié quelques petites choses avec sa raquette. Il a effectivement beaucoup plus de confiance avec le gain des premiers matchs ici à New York. Et c'est vrai que lui aussi a eu des difficultés cette année. Il a eu une blessure après une année 2000 exténuante où il avait joué beaucoup de tournois. Il avait fini deuxième au classement mondial. Donc beaucoup de regrets pour Marat Safin en début d'année 2001. Mais il arrive à temps ici pour sauver ses points et pour bien jouer. À lui maintenant d'égaler ou peut-être de mieux jouer que l'année dernière, ce qui semblera assez difficile puisqu'il a si bien joué en finale contre Pete Sampras ici même à l'US Open. Deux manches perdues face à Ljubicic au deuxième tour, un match qui s'est déroulé uniquement en jeu décisif. Et puis une manche perdue aussi face à Thomas Johansson. Pour Pete Sampras, aucun set perdu avant les huitièmes. Un set laissé à Patrick Rafter, l'Australien, vainqueur ici en 97 et 98. Et puis deux manches face à André Agassi. Vous avez il y a quelques instants revu quelques-uns des moments les plus forts de ce match de quart de finale. C'est un autre match qui commence. Sachez qu'ils se sont affrontés à 5 reprises dans leur carrière. Avantage à Marat Safin, 3 victoires à 2. Ils sont d'ailleurs peu nombreux, les joueurs qui, sur le circuit, mènent dans leur tête-à-tête avec Pete Sampras. Il y a Richard Krajicek qui a toujours été un peu la bête noire de Sampras. 6 victoires contre 4. Il y a Michael Stich qui s'est retiré. Il y a Paula Ruiz. 3 victoires, 1 victoire pour Sampras. Sergi Bruguera et Marat Safin, donc, qu'il affronte aujourd'hui. Gros challenge donc pour Marat Safin, alors que le court Arthur Ashe s'est considérablement rempli, quasiment plein, y compris tout en haut de ce stade, avec l'apparition cette année de l'écran géant que tous les joueurs regardent, ou pratiquement tous les joueurs regardent au changement de côté. Dernière victoire pour Safin en Coupe du Monde des Nations à Düsseldorf, c'était juste avant le tournoi de Roland-Garros, en 2-7 sur terre battue, 7-6, 7-5, mais on sait que Sampras sur terre battue est très très loin de son niveau sur les autres surfaces, que ce soit sur Ribondes, sur un court en dur comme ici à Flushing Meadows, plus encore d'ailleurs sur gazon. Sampras le premier au service dans cette deuxième demi-finale. Nous vous rappelons que le premier qualifié est australien, Leighton Hewitt, pour sa première finale de Grand Chelem. Il rejoint Patrick Rafter, dernier australien ici à s'être qualifié pour la finale en 1998. La 15. Sampras qui va beaucoup servir le coup droit de Marat Safin également. Surtout dans la du côté de droite à gauche. Parfait. Et déjà une énorme première demi-volée. Le roi de la demi-volée, Pete Sampras. C'est Yannick Noah qui nous confiait il y a 2 jours que même dans ses rêves, il n'avait jamais imaginé pouvoir faire des demi-volées telles que les accomplit Sampras. 30-15.
Un Safin qui fait travailler et Pete Sampras d'entrée de jeu. Il a bien retourné Marat Safin pour le moment. Superbe, superbe volée basse de revers. Toujours en avançant ses revers pour ses volées, pardon, pour qu'elle soit contrôlée. Énorme service sur la deuxième et un S. Le premier pour Pete Sampras, qui mène donc un jeu à zéro dans cette première manche. Vue aérienne sur ce cours Arthur Ashe et sur le complexe de Flushing Meadows. Vous apercevez le cours Louis Armstrong un peu plus loin. Avec une bonne nouvelle pour les Français. En junior jeune fille, Marion Bartoli. Il s'est qualifié en demi-finale en battant Arkell Road, considérée comme une future Kournikova ici aux États-Unis. Elle est américaine. 6-2, 6-3 pour la Française. Elle sera donc en finale du simple junior. Safin au service. Un petit peu chanceux là ce retour, mais l'idée était bonne. À son habitude, Pete Sampras qui, sur deuxième balle, agresse son adversaire, lui met de la pression. Miles pour ce service de Safin sur cette première. Quasiment 210 km/h. Elle est juste cette balle. Oui, oui, mais elle prend la ligne, je crois. Quelle frappe de balle tout de même chez Safin. Le premier passing était extraordinaire. Vitesse de bras et de poignet. Oui, elle est bonne. Pourcentage de première qui sera fondamental pour Marat Safin. Je dirais même chose pour Pete Sampras. C'est dommage. Sort, mais c'est un véritable coup de fusil ce coup droit de Sampras. Un jeu partout première manche. Sampras qui ici à l'US Open a gommé bon nombre de ses erreurs. En coup droit comme en revers. Ross Willis qui était là pour les demi-finales dames, qui se trouve là pour les demi-finales messieurs et pour la finale dames, que vous pourrez suivre en direct sur notre chaîne à partir de 2h du matin. Km/h sur cette dernière première balle de Sampras. Service le plus rapide de l'Américain jusqu'alors.
Magnifique relâchement là au service. Madame Sampras. Ça descend. Magnifique volée là encore. Et jeu pour Pete Sampras. L'Américain menant 2-1 dans cette première manche partie commencée depuis 7 minutes. Après deux semaines d'âpres combats, les deux meilleurs restent en lice. Elles entrent dans l'arène pour atteindre le sommet, mais une seule gagnera sa place dans l'histoire du tennis. US Open, la finale dames en direct samedi à 2h et dimanche à 9h30. Et la finale hommes en direct dimanche à 22h et lundi à 13h sur Eurosport. Entrez dans la planète tennis avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. L'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne! Avec Kia. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Entrez dans la planète tennis avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Avantage à Pete Sampras dans cette deuxième demi-finale de l'US Open. 2-1. Et nous retrouvons dans un instant Marat Safin au service. Deuxième essai. Entraîneur de Marat Safin. Pete Sampras qui cherche le chaos assez tôt dans l'échange. Faute de pied comptée à Marat Safin. Il est vrai que tout comme Kafelnikov, tout comme Edberg par le passé, il en commet. Magnifique. Retour slicé en revers. Petit passing de Pete Sampras qui a bien tenu. Il a surtout très bien retourné l'Américain. Oui, il avait marqué pourtant un temps d'arrêt. Raccourcissant son coup droit permettant à Safin de monter tout simplement parce qu'il pensait que la balle du russe était dehors. Service sur le coup droit à nouveau. Thank you.
Flex. Très bien servi de la part de Safin. Il égalise à deux jeux partout dans ce premier set. Extraordinaire volée en extension. C'est vraiment prodigieux. 15-1. Troisième ace pour Pete Sampras. De 4. Fantastique jeu de service de Pete Sampras. Deux aces, un service gagnant pour conclure. Il mène 3 jeux à 2 dans cette première manche. Indeed, a friend who teases better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. Moteur en France, c'est mercredi sur Eurosport. Avec les lubrifiants Elf Evolution et Aprilia. Eurosport et la Fédération Française de Tennis vous présentent les championnats de France. Jusqu'au 9 septembre, le stade Roland-Garros va vivre à l'heure des phases finales de ces championnats nationaux. Alors venez encourager et supporter les 1300 participants âgés de 13 à plus de 70 ans qui s'affrontent pour décrocher l'un des 45 titres de champion de France. Pour toute info, eurosport.fr ou Minitel 3615 Eurosport, rubrique Agenda. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Avec Kia. À peine un quart d'heure de jeu. 3 jeux à 2 pour Sampras, première manche. Marat Safin au service. Quelle volée sur un passing extraordinaire de Safin, pouvoir bloquer la balle, l'arrêter totalement, relève vraiment du pur génie. Oui, il est en extension la Pete Sampras. Il arrive à mettre cet effet qui arrête la balle. Il va souvent chercher le coup droit de Sampras au service. Marat Safin dans ce début de rencontre. Ouais.
Sampras qui monte au filet sur toutes les deuxièmes balles, quasiment de Marat Safin. Surtout lorsque le Russe sert dans la trajectoire droite-gauche. Sampras impressionnant tout de même en revers dans ce tournoi. On le disait en début de match, il a gommé beaucoup, beaucoup d'erreurs dans son jeu. Et puis vite en jambes. Bref, au fait de son art. Et pour une fois, l'Américain est pris sur son coup droit. Il faut dire que les balles de Marat Safin vont vraiment très vite. Double faute, et déjà sous pression Marat Safin sur son service. Petit avantage dans ce début de rencontre à Sampras, avantage qui ne s'est pas encore traduit au score. Fantastique, fantastique passing et balle de break. Sampras qui recule pour avoir le temps de voir où Safin va monter pour ensuite avancer dans son passing. Il l'attendait sur le coup droit puis de Sampras son service. C'est fantastique, fantastique, quelle présence. Et ce malgré une bonne défense de Marat Safin. Break pour l'Américain. Il mène 4 jeux à 2 dans ce premier set. Mais ce qui est fantastique, c'est que Pete Sampras montre le point en faisant ce break. Totalement motivé, Pete Sampras. Il fait une première volée qui n'est pas suffisamment décroisée. Mais par contre, quelle volée haute de revers qui est quasiment un smash. Regardez cette volonté. Il n'a probablement jamais tant montré d'émotion sur un court, Sampras. 5ème ace pour croiser Slicer, l'un des services les plus efficaces de Sampras dans cette trajectoire. Service sur le corps toujours efficace quand on a affaire à un grand gabarit. Plus délicat en effet pour tourner autour de la balle. Oui. Et partir rapidement pour se dégager. C'est pas très grave à 30-0. Sampras qui a un ascendant psychologique sur son adversaire. S'il arrive à le traduire dans la première manche et la deuxième manche, eh bien, ce sera bien difficile pour Marat Safin de se relever. Une variété infinie de services chez Pete Sampras. C'est vrai, des services à plat. Slicer ou lifter dans des angles différents à chaque fois. Il peut la mettre où il veut. Oui. Oh.
Là, par contre, il a explosé sur sa deuxième volée. C'est sûr qu'il a voulu accélérer encore sa volée, malgré la vitesse de balle de Marat Safin. Safin qui se doit d'être très vite en jambes. Il doit tout faire pour rester au niveau de sa ligne de fond, pour jouer les volées de Sampras, ne pas reculer. Le jeu Sampras, il mène 5 jeux à 2 dans ce premier set. 21 minutes de jeu dans un instant. Marat Safin servira avec des balles neuves. Première raquette interactive. Woofer. Rejoins l'équipe Babola. Babola, raquette et cordage. Retour à l'US Open en direct avec l'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne. Lors de ce changement de côté, nous avons aperçu les premier regard de Safin en direction de Mats Wilander. Il est mené 5 jeux à 2 dans ce premier set, Marat Safin. Déjà un crédit de 10 points d'avance pour Sampras, qui, il est vrai, a servi une fois de plus que son adversaire. Oui, un écart s'est déjà creusé. Un Safin qui n'a pas grand chose à se reprocher pour le moment. Non, parce qu'il a été bon dans la relance et bon dans les passings. Exactement, il a simplement un adversaire qui est plus agressif, qui vient au filet, qui gagne la bataille du terrain. Et qui rate assez peu. Dans cet instant du match, 10 points gagnants pour Sampras contre 4 à son adversaire. Deux fautes directes simplement pour Marat Safin contre 5 à Sampras. Quel magnifique enchaînement de revers chopé de Pete Sampras. Qui oblige le grand gabarit. Okay, Marat Safin à plier davantage sur les jambes. Cela ne permet pas en outre à Marat Safin d'accélérer la balle. C'est superbe, superbe. Il a attendu le dernier moment, Pete Sampras, avant de déclencher son bras. Il a fixé Marat Safin. Il a réussi ce qu'il aime le plus, Pete Sampras, ce coup droit croisé. Troisième essai. Des essais qu'il réussit assez souvent sur le côté coup droit de Sampras. Comme cela qu'il est devant Pete Sampras, cherchant à monter sur les deuxièmes balles. Et en manifestant une attention permanente à son adversaire. Le jeu Marat Safin.
5 jeux à 3 pour Sampras dans ce premier set. Il est au service pour le gain de cette première manche. Magnifique retour de Safin. Et oui, un Pete Sampras qui a changé. Il avait servi beaucoup plus le coup droit de Marat Safin. Avec une balle qui n'était pas suffisamment au centre sur la ligne médiane, il s'est fait surprendre. Service extérieur à pratiquement 200 km/h. Magnifique, une nouvelle fois le revers. 30-15. Deux balles de première manche pour Sampras sur ce sixième ace. Oui, il est à côté. Pour la deuxième balle de service, 120 miles à l'heure. Oui, c'est-à-dire à 193 km/h. Deuxième double faute de Sampras, qui possède néanmoins encore une balle de première manche. Quelle première volée encore. Première manche remportée donc par Sampras, 6 jeux à 3, 29 minutes de jeu. Et après 52 points disputés, avantage 31-21 à Sampras. Sur Eurosport. Suivez l'US Open en direct jusqu'au 9 septembre. Match après match, point par point, tous les chocs avec interviews et comptes rendus en ligne instantanément. Posez vos questions à nos commentateurs dans notre club des sports et retrouvez toutes les infos sur Flushing Meadows sur Eurosport.fr. En D1, les chocs se multiplient. PSG Lens et Marseille Lyon. Les fans de foot peuvent vivre en direct les matchs de D1 avec statistiques et analyses sur Eurosport.fr. Une manche à zéro Sampras, 6 jeux à 3 dans le premier set, 29 minutes de jeu.
Et ça finit en service le premier dans ce deuxième set. Heureux ni dans son quart de finale ni jusqu'alors, en voulant tourner son revers sur deuxième balle adverse et monter au filet. Cinquième ace pour Safin. Énorme passing. Et Safin qui met beaucoup de puissance dans son revers grâce à ses deux poignets. Un relâchement juste avant de frapper la balle. Très bon jeu de la part de Sampras. La revanche bien servie du côté de Marat Safin, qui mène donc un jeu à zéro dans ce deuxième set. Quelle deuxième balle à nouveau sur le coup droit de Marat Safin. Pierre Sampras qui monte très rapidement au filet. Une pression infinie sur son adversaire. Pas beaucoup de points perdus effectivement par Sampras au service, et ce depuis le début du match. Oui, 6 uniquement. Tout de même très peu. Variation de Pete Sampras. C'est ce qui est le plus difficile lorsqu'on joue contre Pete Sampras, c'est toutes ces variations au service. On croit commencer à lire un peu son service et il change. Cela dit, je trouve Marat Safin très présent en retour. C'est vrai qu'il fait quand même pas mal jouer Pete Sampras au filet. Un petit doute chez Marat Safin, mais l'aise est accordé à Sampras, le 8e. Sampras égalisant un jeu partout dans ce deuxième set. Pourra rien changer Marat Safin, malheureusement pour lui.
sûr, très difficile à dire. Oui. Elle est extérieure ligne. Oui, mais elle semble toucher cette balle. La fine au service. Étonnant, un échange qui a commencé tout doucement avec des balles assez hautes liftées avant que sa fine commence à frapper très fort. Cinquième S. De service là encore de la part de Marat Safin, encouragé par Mats Wilander. Avantage 2-1 pour le Russe dans cette deuxième manche. Premier set remporté par Sampras, 6-3, 37 minutes de jeu. Retour à l'US Open en direct avec l'Office espagnol du tourisme. Bravo l'Espagne. Gros plan sur Pete Sampras. L'Américain a remporté le premier set 6-3 et mené dans le deuxième set 2-1. Il va servir dans un instant. Et le kiné de l'ATP a été appelé au changement de côté par Pete Sampras. Un comprimé lui a été donné. Oui. Difficile de vous dire pour quelle raison. Presque une dame, Chelsea Clinton maintenant. Splendide service slicé, il s'ouvre tout le court, Pete Sampras. Service qu'il avait utilisé aussi beaucoup contre Pat Rafter, contre André Agassi. Prise d'appui un peu tardive pour une fois chez Sampras. Oui, c'est étonnant là qu'il ne soit pas parti. On pensait que sa volée avait fait quasiment le point. On sait qu'elle avait presque rebondi une deuxième fois. Il n'est pas du tout parti sur sa droite. Oui, trop tranquille là, ce service. Ça ne suffit pas face à Marat Safin, d'autant que la balle n'est pas suffisamment excentrée. Exactement, un service bien trop placé pour le retourneur. Il n'y a plus qu'à avancer dans la balle, Marat Safin. Oui, service sur le corps.
un service qu'il utilise d'ailleurs assez souvent lorsqu'il est mené au score sans trace. On a une de ses variations. Safin ne peut rien faire. Voilà, il avait servi à chaque fois de droite à gauche sur le coup droit de Marat Safin. Il vient de changer. Seconde balle là, très liftée mais qui ne gêne pas du tout Marat Safin. Une balle qui n'était pas assez extérieure. Une nouvelle fois Safin qui peut amplement s'appuyer dessus pour retourner. Oui, balle de break pour Safin. Safin qui commence à bien lire le service de Pete Sampras. Il arrive à faire revenir cette balle dans le court avec le coup de poignet. Des gestes de préparation très raccourcis chez Marat Safin. Laisse un bon moment pour Pete Sampras, le 9e. Sampras qui n'avait pas perdu une seule fois son service contre André Agassi. Agassi non plus ne l'avait pas perdu. Alors. Oui. Et contre Rafter, il ne l'a pas perdu du tout non plus, Pete Sampras. Il est inclinant sur une manche au jeu décisif du troisième set. Oui, double faute. Et nouvelle possibilité de break pour Safin. Troisième double faute du côté de Sampras. Un petit peu moins bien là au service, puis de Sampras. Les balles qui sont un petit peu moins appuyées. Ouh, en danger tout de même. Une possibilité là pour Marat Safin, même s'il était déstabilisé dans ses appuis. Il avait réussi à retourner dans les pieds Marat Safin et se donner un deuxième coup de raquette pour faire un passing. Qui sert le point, vous l'avez dit, il montre beaucoup plus ses émotions. Pete Sampras sur le court, deux balles de break écartées par l'américain. Et on retrouve Safin au service, hein. Safin qui a rééquilibré totalement cette rencontre. Sixième. Oh.
course là. Voilà, elle a l'air bien faute cette balle. Le huitième essai pour Marat Safin. Le Russe reprenant l'avantage pour mener 3 jeux à 2 dans ce deuxième set. Première manche à l'avantage de Sampras, 6-3. Pour l'accès internet, vous avez le gratuit, c'est gratuit. Mais les communications ne sont pas payantes ? Ah bah si, évidemment. Non, sinon vous avez le forfait de 10 heures qui dure 10 heures. Ou le forfait de 20 heures qui dure... 20 heures ? Et voilà. Et si je dépasse ? Ah bah, il faut payer, hein. Comme quand c'est gratuit. Seul AOL vous offre 20 heures d'essai gratuites, télécommunications comprises, sans engagement. On peut pratiquer un sport de milliardaire sans avoir de bureau à Wall Street. On peut collectionner les étalons sans payer d'impôts sur la fortune. Et on peut aimer les belles berlines sans avoir forcément besoin d'un chauffeur pour la garer. Nouvelle Passat, une autre idée du luxe. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Entrée dans la planète tennis avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Time. Une manche à 0 sans Pras, 6-3, mais 3 jeux à 2 dans le deuxième set en faveur de Marat Safin. L'Américain au service. Marat Safin qui a, depuis le début de cette deuxième manche, monté en qualité de première balle de service, alors que Pete Sampras lui est un petit peu descendu. De plus, Safin qui lit un peu mieux le service de Pete Sampras. Excusez du peu. Oui, ça c'est absolument prodigieux. Il était dans un premier temps un peu en retard, Pete Sampras. Et puis il réussit avec ce petit coup de poignet à faire une volée gagnante, une volée recouverte, quasiment liftée. Il y a vraiment des coups sortis de nulle part avec ce joueur. Oui, c'est ahurissant. Au moins un coup de moins bien tout de même, Pete Sampras. Oui, 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 semble-t-il physiquement un peu plus lent. Oui. Là, une deuxième balle qui est sortie d'un bon mètre. C'était sa quatrième double faute. Hein. Fantastique, malgré, on l'a dit, des petites difficultés physiques, et eh bien il se relâche parfaitement, Pete Sampras, pour sortir deux très bons services au moment important. C'était le 11e mais c'est pardon. Nouvelle fois, volée croisée parfaite, tête de raquette parfaitement maîtrisée au moment de la frappe. Un léger coup de poignet pour faire avancer la balle. Et trois jeux partout dans ce deuxième set.
Ilina Staz, qui fut numéro 1 mondial. L'un des plus grands talents de tous les temps. Il porte la casquette à l'envers aussi. Mais il est resté très jeune, il est. Dommage. Belle pression là de Pete Sampras sur le service pardon de Marat Safin. Superbe. En avançant, il part dans la direction où il va jouer Marat Safin. Ça. Et jeu pour Marat Safin, 4 jeux à 3 en faveur du Russe dans cette deuxième manche. Il est 7 remporté par Sampras, 6-3, 53 minutes de jeu. Il y a un instant, Arnaud et moi, un pourcentage de première qui est en train de monter chez Marat Safin. Il n'est pas loin en nombre d'aises de Pete Sampras. L'Américain, lui, perd un petit peu en qualité de première, remporte moins de points sur ses premières balles de service. Ça reste toujours équilibré pour les deux hommes lorsqu'ils ont une deuxième à servir. Ils ont réussi à faire l'un comme l'autre un point sur deux. Il y a plus de points gagnants. Somme toute assez normal chez Pete Sampras, 24 contre 18 à Marat Safin. Beaucoup moins de fautes, oui, chez Marat Safin. 4 fautes simplement pour Marat Safin, ce qui est tout simplement exceptionnel compte tenu de la pression que lui met Pete Sampras, même si l'Américain a baissé d'un ton assez nettement depuis la fin du premier set. Oui, tout à fait, on l'a dit. Un peu moins péchu, Pete Sampras. Il arrive au filet un tout petit peu plus tardivement. Et c'est vrai qu'il pousse un tout petit peu moins au service en deuxième. Le public bien évidemment ravi de pouvoir s'apercevoir sur l'écran géant lors des changements de côté. Et l'avantage pour Safin, 4-3, deuxième set, balle 9 pour Sampras. C'est encore la première volée qui lui permet de faire ce point, Pete Sampras. Une volée qui flirte avec la ligne. Il reste très bas. S'approche du filet pour couper les trajectoires de Marat Safin. Du grand art. Cinquième double faute. Pas que cette deuxième balle vienne à le lâcher parce que Sampras compte énormément dessus. Il a gagné tant et tant de matchs grâce à la supériorité de sa deuxième sur ses adversaires.
De plus, s'il venait à raccourcir un peu cette deuxième balle, eh bien Safin serait tout de suite derrière. Un Safin qui retourne bien. Il n'a pas encore beaucoup d'occasions pour le moment. Il était dessus Marat Safin, ça l'énerve. Pas réussi à contrôler ce service qui n'était pas si bien placé que cela. Non, ils sont presque à vraiment baisser de niveau. Il arrive néanmoins à sortir de bons coups au moment où il le faut, Pete Sampras. Et à égaliser à 4 jeux partout dans ce deuxième set. Marat Safin. Passif là sur ce revers, Marat Safin. Oui, un petit peu. Le manque de rigueur au niveau des jambes aussi. Oui, exactement, trop haut sur ses jambes. Beaucoup plus en retard, la Pete Sampras, moins léger. Au niveau de son replacement. Chercher à monter certainement. Non. Il y a un problème du côté de Sampras sur le court. C'est évident. Sampras n'étant pas venu vers le filet pour couper un peu les trajectoires. Et jeu pour Marat Safin. Le Russe menant 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Pratiquement une heure de jeu entre les deux hommes. On the racetrack. XR 1000. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Avec Kia. Un peu accablé, Pete Sampras, lors de ce changement de côté. Il fait relativement lourd, mais ce ne sont pas des températures exceptionnelles tout de même.
On sent effectivement qu'il s'essuie beaucoup. Fait très attention à récupérer au changement de côté. Il y a réellement un coup de moins bien là chez Pitsampras physiquement dans cette deuxième manche. Il s'en sort malgré tout avec son service. Mais il est tout de même beaucoup plus en danger. Quoi qu'il ait, il va falloir faire avec de toute façon. L'avantage est pour Marat Safin, logiquement, 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. C'est à Sampras de servir, aucun break. Même si le Russe a eu deux possibilités dans cette manche. Effectivement, sixième double faute. Donc, un tout petit peu de dynamisme, Pitt, pour fouetter la balle au moment de la frappe. Suffisamment pour la remettre dans le carré. Ce qui est certain, c'est que nous n'en saurons pas plus durant cette rencontre. Peut-être souffre-t-il d'un début de grippe ou d'un problème d'estomac. Cette balle. Superbe. Et de nouveau très en danger sur son service l'Américain. Bien son temps, Pete Sampras. On va essayer de se relâcher au maximum pour lâcher une bonne première. Et c'est une balle de deuxième manche, une balle d'égalisation à 7 partout pour Marat Safin. Safin qui s'attendait à cette deuxième balle sur le coup droit. Il n'a eu aucune difficulté à avancer dedans. Tendu au match. Oui, cette balle est bonne. La balle est bonne. Service extérieur, 12e S pour Pete Sampras et aucune protestation de la part de Safin. Ce qui est sûr, c'est que le Russe est en train de bien s'arracher en défense. Pete Sampras a fait très attention sur cette première volée, même s'il était un tout petit peu loin. Il s'en tire là encore Sampras, effaçant donc une balle de 7 et égalisant à 5 jeux partout. Safin qui a pris très largement la mesure de Sampras au point d'être légèrement devant l'Américain depuis le début du set.
un Pete qui a beaucoup moins de dynamisme, on a dit. Il est donc beaucoup plus en retard sur tous les coups. Gourmand, la Marat Safin, il aurait pu jouer cette volée courte sans la faire réellement amortie. Oui, bien difficile à savoir si cette balle au service de Sampras était bonne ou faute. Ouais, il est en retard, il tente le tout pour le tout là sur ce dernier revers. Sampras qui a souvent du mal lorsqu'il fait chaud. Fantastique. Fantastique revers chopé le long de la ligne de Pete Sampras. Un geste très très fluide, bien tenu. Marat Safin qui n'a perdu que 3 points derrière sa première balle de service depuis le début du match. Passif Sampras, il n'y a pas de jambe du tout sur ce dernier revers et jeu pour Marat Safin. Il mène 6 jeux à 5 dans ce deuxième set, 1h08 de jeu. Première raquette interactive. Woofer. Rejoins l'équipe Babola. Babola, raquette et cordage. Spacieux. Luxueux. Et confortable. Bienvenue au cœur de la modernité. Bienvenue dans le minivan Kia Carnival. Faites-vous plaisir, surprenez-vous avec le Kia Carnival. Kia Motors. Time. Stade archi-comble. Jeux à 5 en faveur de Marat Safin. Dans ce deuxième set, pardon. Et Sampras est au service pour tenter de rester dans la partie. Dans la manche en tous les cas. Il a écarté, je vous rappelle, une balle de 7 au jeu de service précédent. Sur son service. Oh, il s'en sort bien la Pete Sampras car il est loin de son filet. Il fait une demi-volée en étant assez haut sur les jambes. Oh, quel retour. Oui, magnifique, magnifique de la part de Safin. Mais Safin qui sait...
Il voit bien que Pete Sampras est moins bien, donc il sait qu'il faut absolument remettre cette balle, faire travailler Pete Sampras. Sampras à qui il manque un peu de vitesse dans l'enchaînement service-volée, qui a dû jouer demi-volée derrière son propre carré de service. Il lui manque 1m50 par rapport à d'habitude. Encore, il a frisé la correctionnelle, l'américain. Mats qui vit totalement cette partie. On l'a vu sursauter lorsque Marat Safin a raté ce coup droit. Une balle qui tombe dans la bande. Tranquille en plus, Marat Safin, des demi-volées qui sont trop courtes. Et oui, il lui manque une nouvelle fois presque un mètre à Pete Sampras. Et surtout l'énergie suffisante pour couper plus rapidement les trajectoires. Fait du bien à Prezimis. Service à 130 miles à l'heure. Le service le plus rapide de Pete Sampras depuis le début du match. Jeu décisif entre les deux hommes. La logique voudrait que Marat Safin l'emportât, car il a été dominateur au cours de ce deuxième set, réduisant l'écart au nombre de points actuellement, 63 pour Sampras, 59 du côté de Marat Safin. Et le Russe étant au service le premier dans ce jeu décisif, il va être beaucoup question de qualité de première balle. Ça commence bien pour Marat Safin, son 11e ace, 1.0. Safin qui sert mieux que Pete Sampras actuellement et qui retourne mieux aussi. Un point partout. Il a bien pris son temps là, Pete Sampras, pour arrêter sa course, se positionner et frapper ce coup droit. Pas le droit à l'erreur dans les jeux décisifs. Poisin Sampras. Elle est bien poussée cette volée le long de la ligne. Une balle qui accélère encore après rebond. Le deuxième, deux points partout. Deux ailes sur deux services, Marat Safin. Avec pour l'instant un relâchement total. Oh là là, quelle erreur. Ouais. Totalement décentré par Marat Safin. Il a joué un peu trop avec le bras. Sans mettre beaucoup de jambes, 3 points à 2 pour Sampras. Oui, mais tout de même un Sampras qui s'en sort bien. Car son retour est vraiment court, flottant. Aucune difficulté normalement pour Marat Safin. En plus, il est dominateur, Safin. Oh,
4 points à 2 sans Pras. Fantastique. Ah, quel point. Quel point extraordinaire et quelle défense chez Marat Safin. 5 points à 2 Sampras. Et quel smash de fond de court de Pete Sampras. Oui, il fallait avoir du cran pour le tenter, l'oser et le réussir. Et Safin qui a été obligé de plonger pour récupérer le smash de Pete Sampras. Ah oui, c'est magnifique, magnifique. Il a frôlé les lignes, Marat Safin, là, à deux reprises. 5 points à 3 sans Pras. Quelle qualité de passing là chez Marat Safin. 5 points à 4 Sampras. Deux services à suivre pour l'Américain. Sampras qui tout de même était parti du bon côté là sur le passing. Il est vrai que Marat Safin passe plus souvent croisé en revers. Mais là, Pete Sampras s'affaisse légèrement. Paul Anacon, le coach de Pete Sampras. Six points à 4, deux balles de deuxième set pour Sampras sur ce 14e ace. Il doit prier pour en claquer une énorme là encore Sampras. Il y a de l'inquiétude chez son épouse d'évidence. Et oui, encore croisé, il était parti Pete Sampras, mais le passing était trop bon. Un Sampras qui est toujours aussi loin de son filet. Qui a vraiment du mal à se tenir sur ses jambes. Il possède néanmoins encore une balle de deuxième manche, mais sur le service de Safin, le score 6 points à 5 en faveur de l'Américain. Là, là, là. Quelle erreur de la part de Marat Safin. Il va le chercher, ses deux coups droits manqués par le Russe sur son service. Il n'a pas plié sur les jambes, il s'est relevé trop tôt et deux manches à zéro pour Sampras. 7 points à 5 dans ce jeu décisif de la deuxième manche avec qui plus est une balle de 7 écartée. Miracle que cette manche soit emportée par l'Américain. Il a été dominé dans bon nombre de secteurs par son adversaire. Les statistiques vont sans doute nous le confirmer dans quelques instants. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Un ace de plus pour Marat Safin. À peu près le même nombre de points gagnants.
6 fautes directes simplement pour Safin, 8% passe, ça reste tout de même très bon. Les 3 balles de break que n'a pu convertir en jeu Marat Safin. Et à l'arrivée, alors que 134 points ont été disputés, 70-64 à l'avantage de Pete Sampras. Il avait un crédit de 10 points à l'issue de la première manche. Ce crédit s'est réduit. Il n'est plus qu'à 6 points. Donc il y a eu 4 points grappillés par Marat Safin. Mais cela ne s'est pas traduit en jeu. Et voilà le Russe mené maintenant 2 manches à 0. Énorme handicap. D'autant que Sampras va servir le premier dans cette troisième manche. Il est vrai que Marat Safin a retourné beaucoup mieux. Hein, Sampras qui servait légèrement moins bien. Pour cela que Safin a eu 3 balles de break pardon, dans cette manche. Mais c'est Sampras qui, dans le jeu décisif, eh bien, a été le plus solide. C'est Safin qui a fait 3 erreurs dans ce jeu décisif. Un petit peu comme André Agassi en quart de finale. Il est 1h20 de jeu. 2 manches à 0, Sampras 6-3, 7-6. Il est le premier au service dans cette troisième manche. L'idéal, bien sûr, pour Safin serait tout de suite de breaker Sampras pour se redonner un petit peu de morale, un petit peu de mordant. Sampras qui a bien tenu avec son service dans la deuxième manche et qui a eu beaucoup de difficultés dans tous les autres coups. Thank you. Voyons si le gain de cette deuxième manche lui aura donné plus d'énergie. Il reste au mauvais endroit. Il est plus près du filet la Pete Sampras sur cette première volée. Oui, il a gagné 1 mètre par rapport à tout à l'heure et pourtant le retour de Safin était là encore d'excellente qualité. Septième double faute. Service qui sort de quasiment un mètre. Mmh.
Ah, magnifique. Très bonne deuxième balle, une première volée exceptionnelle. Et premier jeu de ce troisième set à l'avantage de l'Américain. Il s'est rapproché de son filet, la Pete Sampras, dans ce jeu. Il avait un petit peu plus de dynamisme. Cela dit, ça fait vraiment plaisir de voir sa fine à ce niveau-là. Il a erré tellement de fois au cours de cette saison 2001. Il est au service. Stable en revers. Il est vrai que la différence s'est faite dans le jeu décisif sur des fautes de Safin. On va souvent ainsi entre les meilleurs dans les moments très importants. Oui, exactement, c'est dans le jeu décisif que Pete Sampras est bien est resté rigoureux, a fait le maximum avec les armes qu'il avait à ce moment-là. Marat Safin a fait deux énormes erreurs en coup droit. Qui lui ont coûté la perte de la manche. Ça fait 14 pour Safin, 15S côté Sampras et un jeu partout dans ce troisième set. Superbe. Somptueux de la part de Safin avec l'aide de sa deuxième main. Et encore une fois un très bon retour dans les pieds. Pete Sampras qui fait une demi-volée désespérée. Et un Marat Safin qui va très vite sur ses jambes pour venir chercher la balle de Pete Sampras et faire ce petit passing. C'est bien, il montre à son adversaire qu'il est toujours là, plus que jamais. Il oblige Pete Sampras à sortir de meilleurs services. Partie commencée depuis tout juste une heure et demie. Juste à côté, Pete Sampras qui a fait une petite deuxième balle de service. Safin qui sent parfaitement que Pete Sampras est un peu moins présent sur le court physiquement. Par contre, il lui laisse très peu de possibilités sur son service. Quel dommage. Oui, il s'en faut de 3-4 cm.
c'était bien dosé, bien lucide de la part de Marat Safin. Oui, bien arraché Sampras sur ce smash. Il reprend l'avantage pour mener 2-1. Dans cette troisième manche, il a par ailleurs remporté les deux premiers sets sur le score de 6-3, 7-6, 1h32 de jeu. Romain, aujourd'hui notre empire est puissant, bien plus qu'il ne l'a jamais été. Si vous le gérez habilement, même l'empire le plus vaste peut s'adapter et prospérer. Plus que tout autre, nos logiciels ont aidé les entreprises à faire évoluer leur infrastructure informatique. Bonjour demain, Computer Associates, les logiciels qui gèrent l'e-business. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Entrez dans la planète tennis avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Safin qui, lors de ce changement de côté, regardait le grand écran. Il a pu y revoir un ou deux points. Revoir aussi la victoire de Letony Witt face à Yevgeny Kafelnikov sur un score incroyable, 6-1, 6-2, 6-1. Oui, un Witt exceptionnel. Un Kafelnikov sans solution. Et un Marat Safin qui peut toujours espérer revenir dans ce match où il est mené 2-0 et 2-1. Mauvais passing là de Marat Safin, il avait largement le temps de claquer un bon passing shot. Il faut faire attention Marat Safin, c'est ces petits points grappillés qui lui coûtent cher pour le moment. Petit point grappillé par Pete Sampras. On voit la 2 dans ce jeu. Une troisième double faute pour Marat Safin. Des rencontres comme celle-là se jouent sur des petits riens. Exactement. Quand on voit le jeu décisif, un jeu décisif qui était à la portée de Marat Safin, il a fait 2 erreurs et il est mené 2-0. Et là, il est en panne de première. Ouh là 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 là, pas content du tout. Marat Safin, il râle à cause du vent. Et cela fait 3 balles de break pour Sampras. Regard d'impuissance vers Mats Wilander. Première balle de break écartée. Un coup de génie sorti de la raquette de Sampras et c'est le break. Débordé l'Américain, il parvient à trouver un lob génial dans la diagonale et le voilà menant 3-1 dans cette troisième manche. Sampras lead 3-1. Thank you.
Safin qui a tout de même donné 3 points à Sampras dans ce jeu. Et non, ça ne passe pas. Un coup de plus au moral de Marat Safin. Il parvient pas à arrêter sa course, à se restabiliser. C'est parce qu'il se frustre, Marat Safin. Il s'est un peu précipité dans son jeu de service, commettant une énorme première double faute. Il a fait la même en suivant, car il n'a pas réussi à être plus tranquille, à évacuer. Fantastique, fantastique volée dans le contre-pied. Il est prise devant lui. Une raquette qui ne bouge plus après la frappe. Safin ne peut rien faire. Je persiste à penser qu'il y a de la place encore pour Safin. C'est sûr qu'il est tout de même un peu sur un fil, Pete Sampras, même s'il a un peu plus d'énergie que lors de la deuxième manche. Il est quand même plus lent que lors de la première, laissant la porte à de meilleurs coups de Marat Safin. Qui n'a pas vraiment réussi encore à prendre ses opportunités. Oui, double faute de Sampras, la huitième. Il est clair que le vent doit jouer aussi son rôle. Et énorme service extérieur. Un petit peu plus de 201 km/h. Et 6-3, 7-6, 4-1 pour Sampras dans cette rencontre. C'était les 7 merveilles du monde. Mais y avait-il un cinéma dans les jardins suspendus de Babylone? Des douches dans le temple d'Artémis? Un casino au phare de Pharos? Les pyramides? Abritait-elle des chambres? Le temple de Lycarnas, un restaurant? La statue de Zeus, un gymnase? Une crèche se cachait-elle dans le colosse de Rhodes? Non. Et pourtant, tout cela pourrait être à bord de l'Airbus A380, un avion qui vous fera découvrir une nouvelle façon de voler. Retour à l'US Open en direct sur Eurosport. Avec Kia. Deux manches à zéro sans Pras et 4 jeux à 1 en faveur de l'Américain. Dans le troisième set, Safin au service.
Thank you. Seats quickly, please, the back of the courts. Let's pass. Réellement un bon jour là pour Pete Sampras, même en fond de cours. Même s'il avait fait une très bonne première manche depuis, il a beaucoup de difficultés. Et donc les erreurs reviennent. Oui, simplement 5 coups droits gagnants pour Sampras. Pas un coup gagnant en revers. Il n'y a vraiment qu'en revers chopé où il tient pas mal la balle, où il la contrôle bien. Pour le reste, les jambes ont du mal à suivre. Can you please check to make sure that your phones are turned off now, please? L'arbitre qui demande à ce que les téléphones portables soient éteints. Feignant, la marade s'affine sur ce revers. 30-15. Non, non. On est très gêné par le vent, marade s'affine, il y pense. Il n'a pas vraiment lâché son coup droit là, il est parti en arrière. Retour volé peut-être. Bien vu Arnaud. Et balle de double break en faveur de Pete Sampras. Quasiment une balle de match. Ah oui là. Sampras qui fait attendre Marat Safin fort judicieusement. Et Mats qui continue d'encourager Marat Safin pour lui dire de ne pas lâcher du tout. Voilà, il a certainement cherché uniquement à passer sa première balle, la Marat Safin, sans chercher l'ace. Oui, superbe, très bon enchaînement service volé. Advantage Safin. Pour Marat Safin, il n'est plus mené que 4 jeux à 2 dans ce troisième set. Il y a toujours la place pour revenir. Il a fait une partie de l'essentiel en écartant une balle de double break. Justement, il ne faut rien lâcher. Pete Sampras n'est pas à 100% physiquement. Et ça, c'est une évidence. Sur ce retour, pourtant sa deuxième balle était plus rapide que la première. Pete Sampras
mais là encore pas suffisamment excentré. Elle vient dans la position idéale pour Marat Safin. Oui, qui n'a pas à se déplacer pour chercher la balle. Fait du bien cette première balle pour Pete Sampras. Là, il a servi à deux reprises sur le coup droit. Sur le premier point de ce jeu, va-t-il jouer sur le revers ? Non, il a remis un coup droit avec plus de slice cette fois-ci. La balle ripant à l'intersection des deux lignes. Allez, il va vous faire plaisir, il va y aller là, sur le revers. Pas du tout. Non, il garde sa tactique de base. Tranquillement, service kické extérieur, une balle qui sort un peu plus Marat Safin. Et qui lui permet de venir plus rapidement au filet pour une volée facile. Facile à son niveau, bien sûr. Oui, il est à côté cette balle. Deuxième énorme, deuxième à 112 miles, sur un service à plus de 180 km/h, et avantage 5 jeux à 2 sans Sampras dans cette troisième manche. Robert Redford applaudit car on vient de le montrer sur écran géant. Et Sampras qui a l'avantage 6-3-7-6-5-2, 93 points en faveur de l'Américain, 81 pour Marat Safin. Toujours un excellent pourcentage de première du côté de Sampras, plus de 60%. C'est à souligner car il finit généralement aux alentours de 57% ses rencontres, si cela devait ne faire que 3 manches. Il serait au-dessus des 60%, ce qui est exceptionnel quand on connaît la qualité et les risques pris au service par l'Américain. Il est vrai que Pete Sampras, étant un tout petit peu moins bien physiquement depuis quasiment 2 manches maintenant, cherche à se relâcher beaucoup, prendre peut-être un peu moins de risques, il frappe un peu moins fort en première balle. Il veut surtout un haut pourcentage. Time. Il cherche aussi la précision dans ses coups. Pour l'instant, ça fonctionne. Six-trois, sept-six, cinq-deux en faveur de Sampras. Marat Safin au service. Oui, trop gentil cette demi-volée amortie de Pete Sampras. Il s'était pourtant rué au filet après son très bon retour. Il faut tenir vraiment son service à Marat Safin pour que Sampras ait à servir pour le match. Il servira contre le vent d'ailleurs Sampras. Quinzième essai. Il ne va pas beaucoup se battre, la Pete Sampras, sur ce jeu, gardant ses forces pour son service. Le 16e. Et l'on retrouve l'Américain au service
pour le gain du match et pour une qualification, une énième qualification en finale de cette Open des États-Unis. Battu l'année dernière en finale par ce même Marat Safin. Il a remporté par ailleurs à 4 reprises le titre ici. Les 2 premiers points vont être très importants. Il avait servi tout le temps sur le coup droit de Marat Safin, il vient de changer. Oh, et pourtant Safin s'y attendait. Hallucinant, il est à 2 points de la victoire, 2 points de cette 6e finale à l'Open des États-Unis. Il a l'air épuisé, Pete Sampras. Trois balles de match pour l'Américain. Quel retour. Oui, très méchant ce retour. 40-15. Un dernier ace, le 20e pour Pete Sampras. Il se qualifie pour la finale de cet Open des États-Unis en 1h55. Le score 6-3, 7-6, 6-3. Sampras qui effectivement a l'air épuisé. Nous saurons sans doute un peu plus tard de quoi aura souffert Pete Sampras dans cette partie. Il la remporte en tous les cas logiquement, ayant fait plus de points que son adversaire, 97 exactement, contre 86. À Marat Safin, à Safin, qui n'a pu donc rééditer cet exploit. Arnaud, il n'était pas loin, ça s'est joué à 2 doubles fautes, 2 coups droits manqués par Safin dans le jeu décisif du 2e set, et puis à ce lob miraculeux, avec un poil de chance pour Sampras, qui a réussi le break au 4e jeu de cette 3e manche. Les statistiques sur l'ensemble de la rencontre, Sampras qui termine avec 64% de première balle, plus de points gagnants, pas énormément de fautes directes, 20 sur 3 manches, c'est quasiment ridicule. Meilleur pourcentage aussi sur les points de break. Sampras a été vraiment constant, même s'il a été